En paraphrasant le président poète Léopold Sédar Senghor, dans son célèbre poème Joël, je peux aussi dire, pavillon A, je me rappelle. Pavillon H, malheureusement détruit, je me rappelle. Je me rappelle des nuits d'Assemblée générale devant le pavillon A pour porter les mêmes combats que vous portez aujourd'hui. Combat pour l'amélioration des conditions de vie, d'études et de travail des étudiants. Je me rappelle des difficultés obtenues également dans la restauration. Je me rappelle de Nguente Toubab. Je me rappelle, j'allais dire, chers camarades, des fins du mois difficiles où le ticket n'était pas disponible et où il fallait se contenter du seul bout de pain qu'on a pu économiser à midi pour assurer un repas du soir. Je me rappelle de la longue file chez ce commerçant iranien appelé Khomeini à l'époque qui assurait les fins de mois difficiles pour les étudiants. Je me rappelle de tant de souvenirs. Je garde d'excellents souvenirs de ce passage. Et permettez-moi de saluer certains de mes camarades retenus dans le bureau du directeur du COUD. Je veux citer Souleymane Dene Ndiaye, Maître Papaleïti Ndiaye, Maître Boubacar Koïta, Moustapha Dien et tant d'autres, Wali Camara, qui ont partagé ces espaces de liberté et de responsabilité qui a contribué à nous forger une personnalité et à affirmer aujourd'hui mon identité.